C'est donc Borcade, bonjour à tous, nouveau Borcade avec une nouvelle formule pour toujours plus de cinéma, de joie et de souffrance. Et avec nous aujourd'hui pour ce Borcade exceptionnel, l'un des plus grands auteurs du cinéma américain, l'un des plus grands noms du cinéma mondial, un nom qui rime tout simplement avec cinéma, Francis Ford Coppola, qui est notre invité pour venir nous présenter L'Homme sans âge, son nouveau film avec Tim Ross. Alors on va bien sûr revenir lors de ce Borcade exceptionnel sur le temps qui passe avec Francis Ford Coppola. C'est aussi le thème de son film. Et on va bien sûr attaquer, c'est la nouvelle tradition, par les sept questions capitales posées à Monsieur Coppola. On écoute ses réponses. Paresse. Vous avez vos 507 heures? Je ne suis pas sûr que la paresse soit un péché. En tout cas, pour moi, c'est un choix. Elle permet de créer, de réfléchir de façon efficace, ou au moins de s'aérer l'esprit. Êtes-vous payé à votre juste valeur? Je n'ai jamais pensé beaucoup à mes cachets. J'ai toujours eu le sentiment qu'un travail de qualité serait éventuellement bien rémunéré. Ça n'a jamais été une considération prioritaire. Jamais. Après l'avarice, l'envie. Avec qui échangeriez-vous votre carrière? C'est un peu comme si vous me demandiez avec qui je voudrais échanger ma vie. Je n'imagine pas du tout vivre la vie d'un autre. Mais en revanche, j'admire de nombreux réalisateurs et je serais très fier d'être associé à eux. Stanley Kubrick, par exemple, ou mon ami Martin Scorsese. Il y en a beaucoup. Mais jamais autre chose que réalisateur de cinéma? En dehors du cinéma? Il y a bien des personnages historiques que j'aimerais mieux connaître, et le meilleur moyen serait donc de me glisser dans leur peau. Mais ma vie a été très intéressante, je n'ai aucun regret à propos de ce que j'ai vécu. Pas de regret, alors on enchaîne avec la colère. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui dans le cinéma ? Je trouve qu'il y a un vrai manque de créativité et de diversité. Je regrette que le cinéma ne soit pas autre chose qu'un divertissement commercial. Il me semble que plus les années passent et moins il y a l'occasion de faire des films qui sortent du moule. C'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'a été autrefois dans votre carrière, il y a 30 ans par exemple? Oui, vraiment. Aujourd'hui, les studios de cinéma sont de plus en plus gérés par d'énormes compagnies dont le but principal est de gagner beaucoup d'argent. Et pour eux, le meilleur moyen de le faire, c'est d'éliminer le facteur risque. Mais le risque est un facteur inhérent à toute forme d'art. On n'entreprend pas une œuvre sans risquer quelque chose. Et ça, vous en savez quelque chose, Francis Ford Coppola. On va enchaîner avec la luxure. Tourner, c'est tromper? Non, pour moi c'est le contraire, car au bout du compte, avec chaque œuvre d'art, on essaye de s'approcher de la vérité, de mieux la comprendre. Très bien. Gourmandise. Vous avez faim de quoi aujourd'hui? Je suis assez satisfait. J'aimerais juste avoir un peu plus de temps pour être paresseux. On vous le souhaite pas. On va enchaîner et en terminer avec l'orgueil. Vous aimez ce que vous êtes devenu? Je pense, oui. Après tout, je suis le fils de mon père. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que j'adopte les traits de caractère de mon père. En fait, j'aimerais être plus généreux que je ne le suis. Oui, ça, c'est un début dans ma vie. Je m'entraîne tous les jours à être plus généreux.
Vous semblez bien, là, quand je vous vois, Francis Ford Coppola, quand j'entends vos réponses, et pourtant vous disiez qu'avant ce film, avant de réaliser L'homme sans âge, vous étiez en quelque sorte au bout du rouleau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne dirais pas que j'étais au bout du rouleau, je dirais plutôt que j'étais très frustré. J'avais vraiment envie de continuer à faire des films, mais je ne trouvais pas ma place dans le système. L'industrie du cinéma se résume de plus en plus à une industrie purement commerciale. Pas seulement à Hollywood d'ailleurs, mais également en Allemagne, en France, partout dans le monde en fait. Le souci majeur de cette industrie, c'est que les gigantesques productions gagnent énormément d'argent, et peu importe si le film est intéressant ou pas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à titre personnel, vous viviez vous-même une crise artistique ? Oui, en quelque sorte, j'étais très frustré. J'essayais de faire un film très personnel, qui me tenait vraiment à cœur, et même si j'avais résolu le problème du script et du projet en soi, je ne savais toujours pas avec exactitude qui financerait le film. Les grands studios s'intéressent de moins en moins aux films dramatiques ou à un film qui sort un peu de l'ordinaire. Quand on va au cinéma aujourd'hui, on est frappé par l'impression très fréquente qu'on a déjà vu ce film auparavant. C'est vraiment le défaut des distributeurs. Ils pensent que le succès se résume à faire un film qui rapporte beaucoup d'argent. Peu importe qu'il s'agisse d'un remake sans grand intérêt ou d'un film qu'on a déjà vu 100 fois. J'étais vraiment frustré car je voulais faire des films, mais je ne voulais plus de la même carrière que celle que j'avais quand j'étais jeune. Je ne voulais plus faire partie du système hollywoodien. Mais je ne voulais pas pour autant faire de tout petits films. En fait, je voulais qu'on me donne les moyens d'être ingénieux. Et donc, j'étais très frustré il y a quelques années, mais pas en colère. Et c'est là que j'ai réalisé que ma société de production avait de plus en plus de succès et qu'il me suffisait de financer mes propres films. C'est donc ce que j'ai fini par faire. C'est effectivement ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez quand même pensé à un moment donné arrêter le cinéma, Francis Ford Coppola ? Est-ce que ça, c'est une idée qui vous est venue à l'esprit à un moment donné ou ça ne vous est jamais arrivé de penser à arrêter de faire des films ? Non, car j'ai le sentiment que dans ma vie et dans ma carrière, je n'ai jamais pu faire ce que je voulais vraiment faire. Vous savez, quand on est un réalisateur professionnel, qui fait partie du système, on est plus ou moins soumis aux grands studios et aux opportunités qu'ils vous offrent. On ne peut pas réaliser un film comme un peintre crée un tableau. Seul, on ne peut rien faire quand on est réalisateur. Alors j'ai toujours essayé d'être malin avec les occasions qui m'étaient offertes. Mais j'ai le sentiment de n'avoir pas réalisé les films personnels dont je rêvais quand j'avais 18 ans. Notamment des drames passionnés, très personnels. Je suis en quelque sorte devenu un réalisateur âgé, expérimenté à un très jeune âge. Je n'avais que 29 ans quand j'ai réalisé Le Parrain. Et cela a tout changé dans ma vie et dans ma carrière. Tout à coup, je suis devenu un réalisateur important, établi. Et l'ironie, c'est que j'ai 68 ans aujourd'hui et que j'aimerais vraiment avoir la carrière d'un jeune metteur en scène ou d'un réalisateur de films indépendants. C'est étonnant ce que vous nous racontez là. On a l'impression que vous avez décidé de recommencer à zéro, recommencer votre carrière, votre âge. Et ce film raconte en quelque sorte cette histoire. Vous dites que vous l'avez produit avec vos propres moyens. On va en parler avec vous. On va regarder tout de suite donc la bande-annonce de L'Homme sans âge, d'après une nouvelle écrite par un chercheur, éminent chercheur en histoire des religions et romancier. Il s'appelle Mircea Eliadeh. Et dans ce film, on trouve donc Tim Ross, Alexandra Maria Lara et Bruno Ganz. On regarde tout de suite la bande-annonce de L'Homme sans âge. If someone were to tell me that there exist among us authentic magicians, saints, or anyone endowed with miraculous powers, I would believe them. The way the lightning struck you, you had to have been killed on the spot. You are lucky. His x-rays have come in. The roots are healthy, but they are being pushed up by new ones. He's a young man in the prime of his life. I have to think, 10 months ago, you turned 74 years old. Your government has instructed you to relinquish the patient to our custody. This is no longer a case of a living dead man, but of something else. You and I both know what is coming.
I'm trying to find a meaning to this impending catastrophe. I want to help you. I think we should go somewhere. We should be alone. You have become the most valuable human specimen existing today on the face of the Earth. I have a very powerful organization behind me. We can protect your identity. Completely. I have access to knowledge unavailable to mankind. Powers I don't fully understand. Have you decided to use them for good or for evil? L'homme sans âge, donc difficilement résumable ce film, cette histoire de chercheur roumain qui est frappé par un éclair, il a 70 ans, il recherche les origines du langage, il est frappé par cet éclair, il se met à rajeunir, ça se passe au moment du nazisme, et à ce moment-là, il découvre des pouvoirs particuliers, il sait qu'il va pouvoir mener à fond ses recherches, découvrir en fait ce qui mène sa vie, ce qui guide sa vie, et là, il rencontre une femme qui semble ressembler à cette histoire d'amour, cette femme qu'il a connue il y a longtemps de ça, histoire d'amour sur laquelle il a mis une croix, et pourtant là, la science, l'amour vont commencer à se mélanger. Je demandais si Francis Ford Coppola, vous étiez trouvé une fois face à ce choix, à choisir entre non pas la science et l'amour, mais pourquoi pas entre l'art et l'amour, une fois dans votre vie, ça vous est déjà arrivé, Francis Ford Coppola? Non, je n'ai jamais eu à faire ce choix. Je me suis marié quand j'étais très jeune. J'avais 22 ou 23 ans. Et je suis encore marié aujourd'hui. Je m'apprête à fêter mon 45e anniversaire de mariage. Je me suis assagi. Je suis serein. J'ai enfin intégré l'idée que l'on n'est qu'une petite goutte dans ce monde, une petite vie. Et je pense avoir réussi à devenir un homme qui aime intensément plusieurs domaines et à tous les niveaux. Pas seulement ma famille et mes enfants, dans le sens romantique du terme, mais j'aime aussi mon travail, le cinéma. C'est pour cette raison qu'en réponse à votre précédente question sur le fait d'abandonner le cinéma, j'ai peut-être eu le sentiment que je ne faisais pas ce que j'avais espéré. Mais je n'ai jamais cessé d'essayer. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses options pour un metteur en scène. On peut faire de la mise en scène au théâtre ou à l'opéra ou écrire un roman. Ce sont de merveilleuses formes d'art. Mais le cinéma est un art si intéressant et si magique. J'ai encore tant de choses à apprendre dans ce domaine que cela me briserait le cœur de ne plus pouvoir faire de films. En quoi vous êtes reconnu dans cette histoire, dans l'histoire de ce Dominique, puisque le héros incarné par Tim Ross s'appelle Dominique? On sait qu'on vous retrouve même dans les films de commande, on vous retrouve toujours un peu Francis Ford Coppola, parce que vous êtes un auteur, avant toute chose. On vous retrouve dans chacun de vos films. Est-ce que là, plus particulièrement, on vous retrouve encore plus? Est-ce que vous vous identifiez complètement à ce personnage principal qui rajeunit, qui se remet à chercher, qui revit une histoire d'amour? Oui, certainement. J'ai 68 ans et j'ai eu une longue carrière. J'ai commencé la mise en scène au théâtre à 17 ans. C'est vraiment une longue expérience, un long chemin. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout à fait atteint ce que j'espérais. Je sais presque avec exactitude quel genre de travail ce serait. Même si jusqu'à présent cela m'a échappé pour plusieurs raisons. Non seulement par ma faute, mais aussi à cause du climat global dans lequel les films étaient faits à certaines époques et les opportunités qui existaient. Comme je vous l'ai dit, on veut en général faire de grands films qui rapportent beaucoup d'argent. Mais là, pour ce film, j'ai vu l'histoire d'un homme qui, d'une certaine façon, a une deuxième chance de vivre sa vie. Je me suis dit que j'avais fait tant de choses intéressantes. J'ai eu du succès dans la production de vin, dans l'industrie du tourisme. Et j'aimerais peut-être avoir l'occasion d'être comme le personnage de ce film, revivre ma vie comme si j'avais 17 ou 18 ans. Et je l'ai fait pour ce film, avec ce tournage. Je suis allé en Roumanie et j'ai tourné le film avec la sensibilité d'un étudiant. Ça vous a redonné foi en le cinéma que de tourner ce film, justement? Ah oui, et d'ailleurs, je me sens de plus en plus proche d'autres réalisateurs, qui sont des amis et des collègues, comme George Lucas ou Steven Spielberg.
Quand je suis avec eux, je suis toujours frappé par leur plaisir enfantin concernant la magie du cinéma. Par le fait qu'on peut prendre une scène, la couper, la placer ailleurs et que cela change tout au film. C'est quelque chose qui étonne tout le monde. Et en général, ils font des bonds comme des enfants, ils s'écrient « Mon Dieu, c'est absolument magique, c'est de la pure magie !» Et là, avec ce film, j'ai retrouvé cet état-là d'enthousiasme. Le cinéma est avant tout une forme d'art très jeune, il n'a que 100 ans. On n'a pas encore tout découvert à son sujet. Les prochaines années, 100 ans et plus, nous réservent encore bien des miracles, bien des surprises. C'est très excitant, et ceux qui ont le privilège de faire du cinéma, de le connaître, sont frappés par les découvertes qu'il nous réserve. Mais c'est vrai que d'ailleurs, on redécouvre un style, on redécouvre une forme en quelque sorte avec ce film de Francis Ford Coppola. On va revenir sur la forme très spécifiquement, mais auparavant, j'aimerais vous faire entendre sur le fond de votre film, film passionnant qui a un côté profond et jouissif à la fois. J'aimerais vous faire entendre Jacques Arnoux. Jacques Arnoux, c'est un théologien, Francis Ford Coppola, un théologien dominicain qui est en charge des questions d'éthique au Centre National d'Études Spatiales en France. On l'a emmené voir votre film. Voilà ce qu'il nous en dit. Quelque part, c'est un très beau portrait de scientifique, un portrait dramatique. Hein. Il a fait le sacrifice du savoir pour qu'elle puisse vivre. Et là, l'âge le rattrape, comme précisément dans le portrait de Dorian Gray, où brutalement il vieillit en quelques heures. Je ne saurais pas dire que Coppola a peur de mourir, ça me semblerait aller dans sa propre intimité. Évidemment, on peut s'interroger, quelqu'un qui a presque l'âge de Dominique, et est-ce que Coppola veut dire par là, ben, je n'ai pas encore terminé ma quête? Est-ce qu'il a peur de ne pas y arriver, de ne pas achever son œuvre? I have access to knowledge unavailable to mankind. Vraiment, j'ai pensé assez rapidement à ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui ne sont pas des certitudes, qui sont des moteurs. Et bien moi, je trouve que ce film, quand on en sort, il y a cette grande tache rouge de la rose sur la neige blanche. C'est un magnifique message d'appel à l'espérance, d'appel à la foi, d'appel à l'amour. Appel à la foi, à l'espérance, à l'amour, nous dit ce docteur en théologie, et espérance à la foi, en l'amour, en le cinéma. Il nous parle aussi de la peur de la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort, peur de ne pas pouvoir achever votre œuvre, Francis Ford Coppola? Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille, ça? Non, je n'ai pas peur de la mort. J'imagine souvent ce moment, si je suis capable d'être conscient dans les secondes qui précèdent ma mort, je me vois repasser le film de ma vie. Je me dirais que j'ai eu une vie intéressante, passionnante, j'ai travaillé au théâtre quand j'étais jeune, j'ai fait des films, j'ai épousé une femme merveilleuse, j'ai eu des enfants formidables et j'ai pu les voir travailler dans le cinéma comme moi. J'ai eu du succès dans la production de vin. Et j'espère mourir en pensant à tout cela et en énumérant la liste des merveilleuses choses que j'ai pu faire dans ma vie. Et je pense que je ne me rendrai même pas compte que je suis en train de mourir car je serai encore en train de parcourir la liste résumant ma vie. Vous, on nous parle de la foi, Jacques Arnoux nous parle de la foi. C'est un film sur la foi, sur l'espérance. Est-ce que c'est un film aussi sur le renoncement? Comment vous le vivez, ce film, Francis Ford Coppola? Quand j'ai travaillé sur le film, je n'ai pas pensé en ces termes, mais j'ai plutôt pensé au mot « grâce ». Je me souviens, lors du tournage de la dernière scène du film, quand l'un des personnages meurt comme un vieillard dans la neige, j'ai entendu un Roumain qui était présent sur le tournage dire « il meurt comme un sans-abri ». Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'on meurt peut-être tous comme des sans-abri. On meurt seul, au bout du compte, même si on est entouré de personnes. La différence, c'est que certains d'entre nous meurent dans un état de grâce, parce qu'ils ont été aimés durant leur vie ou parce qu'ils ont aimé. Et dans le cas du personnage du film, il a aimé avec tant de conviction. Et le symbole de la grâce à la fin du film, c'est la rose dans sa main. C'est un immense privilège que de pouvoir mourir touché par la grâce en quelque sorte, comme un homme spirituel.
cet état de grâce. On le retrouve aussi dans votre manière de faire des films, Francis Ford Coppola. Il y a un travail sur le temps très particulier. On est habitué aujourd'hui avec les jeunes réalisateurs à voir des caméras en mouvement qui se déplacent un peu dans tous les sens. On a l'impression qu'elles essayent de combler un vide. Et votre film, dans votre film là, la caméra se pose, le travail sur le temps se fait au montage et j'ai même l'impression que le travail sur le temps se fait à l'intérieur du cadre. On a autant un travail sur le temps qu'un travail sur l'espace dans votre film. Oui, il est vrai que lorsqu'on fait de grands mouvements de caméra, on a souvent l'impression d'obtenir un certain dynamisme. Mais il y a une vieille anecdote qu'on m'a racontée sur un célèbre réalisateur qui était très prétentieux quand il était jeune. Je crois qu'il s'agissait de George Cukor, mais je ne suis pas sûr. Il s'apprêtait à filmer la scène du départ d'un train. Une femme pleure car elle doit quitter son amant. Le jeune homme court après le train, lui fait de grands signes, écrit « Non, ne pars pas !» Et le réalisateur voulait que la caméra avance sur des rails pour mieux filmer les personnages. Et toute l'équipe a commencé à rire discrètement. Mais le réalisateur était sûr de lui. « Je veux du mouvement dans cette scène !» Mais dans les rushs, on voyait bien la femme et l'homme qui couraient, mais on avait l'impression que le train n'avançait pas, car la caméra bougeait en même temps. Donc mon sentiment, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire de grands mouvements de caméra, même si ça peut être magnifique dans certains cas. En fait, moins la caméra bouge, plus les mouvements des acteurs sont accentués de façon un peu ironique. Et je pense qu'on obtient plus de dynamisme avec le style un peu statique que j'ai utilisé dans L'homme sans âge. Alors on va revenir peut-être un peu en arrière maintenant, Francis Ford Coppola. Je vais vous proposer d'entendre deux personnes très liées l'une à l'autre qui ont toutes les deux travaillé avec vous. Il y a Aurore Clément et le décorateur Dean Tavularis. On les écoute. Je pense que Francis met beaucoup de lui-même dans ses films. Il aime la nourriture, la musique, le théâtre, l'opéra. Et en fait, tout son travail est empli de ces choses. Ce que je trouve toujours bien, c'est qu'avec Francis, on mange. Il adore manger. Et on travaille en mangeant. Le travail avec Francis est très ouvert. Comme je vous l'ai dit, il m'a apporté beaucoup de liberté. Et en fait, il n'est pas comme ça seulement avec moi. Tous les acteurs avec qui il a travaillé pourront vous le dire. Il est en permanence en recherche d'idées. Ce qu'il a d'extraordinaire en plus, c'est qu'il vous invite toujours à aller de l'avant. Il est non seulement curieux de tout, mais il vous pousse toujours à aller de l'avant. Il demande toujours son avis à tout un tas de gens. Par exemple, à plusieurs reprises, il est venu me voir en me disant « Tiens, j'ai discuté avec une fille là-bas, elle m'a dit ça et ça. » Et en fait, c'est son truc, discuter avec le maximum de gens et leur prendre des idées pour son prochain film. On n'oublie pas quand c'est M. Coppola qui vous dirige. C'est un monsieur qui aime les femmes. Et qui les aiment vraiment. Tous les metteurs en scène n'aiment pas forcément les femmes. Et tous les metteurs en scène n'aiment pas forcément les actrices. C'est vrai ça, tous les metteurs en scène n'aiment pas forcément les actrices, Francis Ford Coppola. Oui, il arrive assez souvent que les réalisateurs résistent en quelque sorte aux actrices et aux acteurs aussi. Souvent, c'est parce que ces metteurs en scène n'ont pas démarré leur carrière au théâtre, où l'on a une compréhension plus intime, pour ainsi dire, du métier d'acteur. Au théâtre, notamment grâce aux répétitions, on est beaucoup plus proche de l'acteur. Et vous les aimez ? Vous les aimez particulièrement, les acteurs ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon acteur pour vous ? Oui, car un acteur est un artiste dont l'instrument n'est pas simplement un violon ou un tambour, mais sa propre personne. C'est très difficile de faire ce que font les acteurs, de jouer avec leurs propres émotions. Et parfois, certains réalisateurs très visuels, venant de la pub ou du clip, ne comprennent pas ce qu'est un acteur. Un acteur, quand il arrive sur scène, doit donner de lui, se livrer, et sans montrer sur son visage qu'il est très gêné ou qu'il a peur. Donc j'admire ce qu'accomplissent les acteurs, et je suis en général très compréhensif avec eux. Vous savez, au cinéma, comme dans d'autres domaines de l'art, on essaye de saisir la vie. Et dans un travail de collaboration, comme au théâtre, au cinéma ou dans la musique,
On a besoin de l'entière participation des autres artistes. Ils doivent se sentir libres tout en étant contrôlés par un script ou une partition. On essaye de saisir la vie. Un beau film est un film vivant. Voilà pourquoi on peut le revoir 50 ans plus tard. Mais justement, tiens, à propos de ces 50 ans qui passent, ça fait plus de 30 ans maintenant, quand on voit Dean Tavoularis, quand on voit Orkelman, on pense à Apocalypse Now, on pense également au Parrain qui est le meilleur film de tous les temps, selon de nombreux critiques, selon le public. Est-ce que ce film qui est considéré aujourd'hui quasiment comme indépassable, que l'on va rediffuser d'ailleurs sur notre antenne, sur Ciné-Cinéma, on va repasser la trilogie du Parrain, est-ce que ça, aujourd'hui, ça vous énerve? Comment vous ressentez ça aujourd'hui, ce rapport aussi fort avec ce film au Parrain, le fait que ce soit indépassable, au contraire, c'est pour vous un plaisir immense d'avoir réalisé ces films-là? Comment vous vivez? Est-ce qu'ils ont bien vieilli, selon vous, comme un bon vin, d'ailleurs? Oui, en tout cas, le premier. D'ailleurs, vous savez, au départ, je ne voulais en faire qu'un seul. Je n'ai jamais pensé qu'il y en aurait un deuxième ou un troisième, car le premier était une histoire en soi, complète. Ce film a été très difficile à réaliser. J'étais très jeune, la société qui le produisait n'avait pas vraiment confiance en moi, j'étais toujours très inquiet qu'elle n'aime pas mes idées, et chaque jour, je pensais que j'allais être viré. Et donc, c'est vraiment ironique qu'un tel échec, enfin, que ce que je supposais être un échec soit au final un si gros succès. Et c'est également merveilleux pour les jeunes de comprendre que souvent la raison ou le film pour lequel on risque d'être viré, bien que plus tard, cette raison soit celle pour laquelle on vous accorde un prix pour l'ensemble de votre carrière. Mais je pense que Le Parrain était un grand succès, notamment parce que c'était un style très différent, c'était assez novateur, notamment parce que Le Parrain était un incroyable mélange de talents, pas seulement chez les acteurs. Toute l'équipe était extraordinaire. Il y avait aussi les décors de Tavoularis, la photographie de Gordon Willis, la musique de Nino Rota. C'était un incroyable assemblage de talents. Ces personnes se sont données à fond dans un seul but, faire un film que le public était prêt à apprécier. Justement, ce cinéma-là, ce cinéma américain des années 70, dont vous avez fait une grande part, vous avez gagné deux Palmes d'Or à ce moment-là à Cannes. Est-ce qu'il est, on considère que c'est l'apogée de l'histoire du cinéma, souvent, que ce cinéma américain des années 70, c'est un âge d'or qui est aujourd'hui complètement révolu, terminé, selon vous, Francis Ford Coppola? Non, je ne pense pas. Il y a eu tant d'âges d'or dans ce domaine. Et je suis toujours étonné par le fait que le cinéma n'a que 100 ans et qu'il a déjà produit tant de merveilleux artistes, même durant les 20 premières années du cinéma. Le cinéma muet, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en France et dans le monde entier. Il y avait déjà des chefs-d'œuvre. Je peux vous citer de nombreux artistes, Pabst. Et avant cela, au tout début du cinéma, c'était déjà si intéressant. Il y a eu de grands films et de grands artistes en 100 ans. Malheureusement, aujourd'hui, le cinéma est beaucoup plus contrôlé qu'à ses débuts. Au départ, ceux qui finançaient les films faisaient quelque chose de très nouveau. Ils ne savaient même pas ce qu'était un film. Les réalisateurs non plus n'étaient pas toujours très conscients qu'ils inventaient un nouveau langage. Aujourd'hui, les films sont très contrôlés, très encadrés par le financement. Et on a toujours très peur quand les réalisateurs s'aventurent dans des zones inexplorées. Et c'est vrai que c'est ce que raconte également votre film, ce retour au langage, et pourquoi pas au langage cinématographique, L'Homme sans âge. Avant de nous quitter, Francis Ford Coppola, un détour par l'opéra. C'est Gildas Le Gac qui nous emmène à l'opéra. Vous nous en parliez en début d'émission. Mais voilà, on vous propose un petit moment d'opéra pour terminer cette émission. Bonjour Pierre, nous sommes ici effectivement dans ce lieu mythique de l'Opéra Garnier, l'opéra qui a bercé toute l'enfance de Francis Ford Coppola. Et c'est vrai que beaucoup de réalisateurs de cinéma s'intéressent à l'opéra. On a vu dans cette même salle l'année dernière, Michael Haneke signer un Don Giovanni très réussi. On verra à partir du 24 octobre, Werner Schroeter signer La Tosca. Et attention, en 2008, c'est à Los Angeles que William Friedkin et Woody Allen signeront un opéra de Puccini. Alors j'avais envie de vous entraîner de ce pas sur les airs de la Traviata avec le grand baryton José Vandamme. On y va ?
Ça raconte une histoire d'amour dans un monde assez décadent. Une dame qui loue ses services, disons, mais qui est une grande dame et qui rencontre le vrai amour, mais elle est condamnée par la maladie. Pour moi, le maître à l'opéra, c'est la musique. Toute l'équipe, le metteur en scène, les musiciens, le chef d'orchestre, les chanteurs, doivent s'adapter à la musique. Et c'est un genre de dommage qu'on rend au compositeur en chantant et en jouant vraiment ce qu'il a demandé. Ici, à l'Opéra de Paris, nous avions fait Les Contes d'Hoffmann, qui était dirigé par Roman Polanski. Quand il est arrivé, au départ, il marchait un peu sur des œufs, si vous voulez. Et puis, au bout de quelques jours, il s'est habitué et puis ça s'est très bien passé. Les metteurs en scène cinéma, je pense qu'ils ont une idée préconçue du chanteur qui n'est pas comédien autant qu'il voudrait qu'il le soit. Mais c'est difficile aussi pour un chanteur. Vous savez, si un chanteur s'adresse à la soprano et dit « je t'aime », il reste 3-4 secondes avec la bouche ouverte, c'est pas évident. Après le cinéma, c'est l'opéra qui est quand même le théâtre où on peut faire le plus, entre guillemets, d'expérience. Depuis les années 70-75, l'opéra a beaucoup évolué sur le plan de la mise en scène grâce à des gens qui viennent du cinéma, qui ont été très exigeants avec les chanteurs sur le plan de la comédie. Voilà la Traviata de Giuseppe Verdi. D'ailleurs, l'Opéra de Paris vous invite, Francis Ford Coppola, à venir assister à cette Traviata. Et voilà, le livret, il y a une invitation effectivement à l'intérieur. Okay. Je citerai aussi la Tosca de Puccini, donc mise en scène par Werner Schroeter, qui sera jusqu'au 20 novembre à l'Opéra de Paris. Vous avez envie de mettre en scène un opéra? Ça vous irait bien, Francis Ford Coppola, la mise en scène d'opéra? Vous en parliez en début d'émission. J'ai déjà eu le grand plaisir de faire la mise en scène d'un opéra dans ma vie. C'était la visite de la vieille dame de Gottfried von Einem. Je suis un grand admirateur d'opéra. Je l'ai d'ailleurs étudié. Durant les 100 ans qui ont précédé l'avènement du cinéma, l'opéra a pour ainsi dire été le cinéma de l'époque. Les grands chefs d'orchestre n'étaient pas de simples directeurs, si l'on peut dire. Ils étaient responsables du choix du répertoire et s'occupaient de toute la production. C'était d'immenses artistes. Bien sûr, il y a eu Wagner, qui était chef d'orchestre, tout comme Mahler, Strauss, Toscanini et bien d'autres encore. Ils étaient les réalisateurs de leur époque. Et aujourd'hui, il existe de magnifiques livrets d'opéra. Vous avez mentionné Verdi, il y a aussi Wagner, Pélias et Mélisande, qui est une très belle œuvre de l'opéra français. Notre culture est extraordinaire, non seulement dans les arts scéniques, mais aussi en littérature, et c'est un immense privilège d'en être une toute petite partie. Mais justement, au niveau de la culture au sens large, une dernière question, Francis Ford Coppola, à propos de la musique. L'opéra nous ramène à la musique. Carmine Coppola, votre père, a signé quelques-unes des musiques de vos films. La musique est quelque chose d'important pour vous, comme la transmission. Et j'ai vécu un moment assez exceptionnel, unique au monde, pour en revenir à Cannes. Vous-même, Carmine Coppola, vous transmet la musique, participe à vos films. Et vous transmettez à votre film Sofia Coppola, qui vient monter les marches à Cannes et que l'on voit en compétition officielle à Cannes. Et j'étais là, j'accueillais Sofia Coppola, et vous étiez assis, je me souviens, juste à côté du studio, en train de lire le journal. Je me demandais, pour terminer cette émission, si ce n'est pas une immense fierté, si la réussite de toute une vie, elle n'est pas là aussi, dans ce flambeau qui passe de génération en génération, magnifiquement. C'est quand même un cas unique au monde. C'est quand même une réussite absolue. Elle n'est pas là, la réussite, pour vous, Francis Ford Coppola. Oui, en effet, et on se rend compte que tout est lié. Mon père a été la première flûte de l'orchestre symphonique de la NBC sous la direction de Toscanini. À l'époque, Toscanini, qui a une vie extraordinaire, avait 82 ans, alors qu'il a commencé à 19 ans. Il connaissait Verdi. Donc nous sommes tous liés d'une façon très noble, et le temps n'est pas simplement une chose qui a un début et une fin. Il est lié au passé et nous reconnecte à ce passé, ce qui nous ramène à Mircea Eliade et à mon dernier film.
Merci beaucoup Francis Ford Coppola. Je rappelle donc que L'homme sans âge est en salle, un film à voir absolument, avec donc Tim Ross et réalisé par monsieur Francis Ford Coppola. Merci d'être venu dans ce bord-cadre exceptionnel. À très bientôt. Thank you. Voilà, et on termine cette émission par la question rituelle. Qu'est-ce que le cinéma posait cette semaine à Elvis Perkins? Elvis Perkins, figurez-vous que c'est le fils d'Anthony Perkins et de Berry Berenson, actrice et photographe. Alors, son album s'appelle Ash Wednesday et il est en France, Elvis Perkins, pour une tournée pendant tout le mois de novembre. Il nous répond donc à cette question. Qu'est-ce que le cinéma? Et je vous rappelle que vous pouvez, sur cinécinéma.fr, Francis Ford Coppola, eh bien, découvrir tous les magazines de ciné-cinéma. Merci encore. À bientôt à tous. Au revoir. Pour moi, le cinéma, c'est tout simplement l'art de faire des films. Mais je pense surtout que le cinéma, ainsi que les autres formes d'art, sont le seul moyen de retranscrire notre humanité, la réalité. En gros, on pense souvent que le cinéma relève du fantasme et que la réalité, c'est ce que l'on vit tous les jours dans notre vie quotidienne. Mais selon moi, c'est l'inverse. C'est dans les arts que l'on trouve, en quelque sorte, la vraie réalité. Car c'est là que l'homme peut s'exprimer librement, sans contrainte, sans le poids des conventions sociales. Par exemple, dans la vie de tous les jours, je suis obligé de me conformer aux règles de la vie en société. Je dois vous dire en vous rencontrant « Bonjour, comment ça va ?» même si j'en ai pas envie, alors que dans mes chansons et sur scène, je suis libre d'être moi. Et je pense que c'est la même chose pour le cinéma. C'est donc dans les arts que se trouve notre humanité, car c'est là que l'on peut être nous-mêmes.